Ça perce tellement bien, là. Salut la gang. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous fais un petit review là, du upgrade que j'ai fait pour ma pêche à la glace. Donc, dans cette petite vidéo-là, on va parler de mon outil que j'utilise pour percer les glaces. Donc, on s'en va jaser de ça. On va parler de ma mèche que j'ai ici. Une super de bonne mèche qui a été très réputée là, au cours des années. C'est la Cage Reel. 7,5 pouces. Donc, elle fait un diamètre là, de trou de 7 pouces, 7,5 environ. Elle va super bien. Je sais qu'il y a d'autres modèles là, sur le marché, côté Eskimo et d'autres marques. Là. Je ne connais pas toutes, Rapala. Moi, j'ai été avec la Kedjul parce que, comme j'ai dit, elle a fait ses preuves, fait longtemps qu'elle est sur le marché, puis honnêtement, là, j'avais juste des bons commentaires concernant la mèche. Ce qui est bon de Kedjul, c'est que les lames, on peut les faire aiguiser à vie, c'est gratuit. Moi, j'ai jamais fait aiguiser mes lames par eux autres, en fait. J'ai jamais fait aiguiser ces lames-là. Ça fait 2 ans que j'ai la mèche. Donc, le processus pour pouvoir envoyer les lames, je ne sais pas comment ça fonctionne, s'il faut juste que tu payes le shipping ou peu importe. Mais je sais que quand on la jette, il y a un petit pamphlet qui dit « aiguisage gratuit à vie pour les lames, dans le fond, de Cage Reel ». Donc, ça fait 2 ans que je l'ai, là. Puis écoute, j'ai même pas pu... il faut que j'ai des aiguisés tout de suite. Elle coupe assez bien encore, là, puis je fais quand même beaucoup de sorties sur la glace. Faut dire aussi que tous les petits accessoires qu'on a sur la mèche, tout est changeable. Donc, si on pète une petite affaire comme ça, là, ben, c'est remplaçable. Là. Il y a des vis qu'on dévisse, puis tout se défait. Donc, c'est ça que j'aimais aussi, là, que tout se change comme ça. Si jamais il y a de quoi qui brise, ben, on n'est pas obligé d'en racheter une autre, parce que ça vaut quand même, je pense, c'est détaillé à 349$. Donc, c'est ça. Elle me fait de très bons trous. Comme j'ai dit, là, il y a d'autres marques. Moi, c'est sûr que c'est elle que j'ai. Je ne suis pas commandité par eux autres, rien. Là. C'est juste que c'est elle que j'ai connue. Ça se peut qu'il y en ait d'autres de bonnes, mais moi, je vous le dis que au prix qu'on paye, là, elle va très, très bien. Donc, prochaine étape qu'on va parler, c'est évidemment, il faut une drill pour mettre sur la mèche pour percer, parce qu'elle ne se perce pas à main. Puis, on va jauger de ça. Donc, à prochaine étape. Et voilà de quoi qu'on va parler. La belle drill. Honnêtement, j'ai upgradé ma drill. Ça, on va en parler en détail là, parce que de cette drill-là que j'ai, en fait, c'est même pas une drill, mais je vais vous dire c'est quoi tantôt. J'avais une drill Makita là, que vous avez sûrement vu dans mes vidéos de pêche à la glace que j'ai faites l'année passée, que je mettais sur ma mèche K-Drill. Ça allait super bien. Évidemment, il faut avoir une drill brushless parce que vous avez des broches dedans. Elle va péter, elle va brûler, puis ça sera pas long. Moi, j'avais ça, une Makita assez forte. J'avais la plus forte des Makita, là, côté torque. Puis ça allait bien, ça perçait des trous. Je faisais environ, là, avec deux batteries, 5 ampères, je faisais environ, là, max... 60 trous environ.
dans à peu près 8 pouces de glace, 9 pouces de glace. Donc, pour moi, je sais que j'ai vu beaucoup là, de commentaires là, quand on commence à parler de drill. Ah ouais, mais là, lui, il fait 60 trous. Hein? T'as pas besoin de faire 60 trous. Des fois, t'as juste besoin d'en faire 3-4. Ouais. C'est correct, quelqu'un qui a son spot, mais comme aujourd'hui, où que je vais prospecter, j'en fais des trous, là, tu sais, j'ai mon sonore, un trou à mettre, après ça, je vais jiguer un peu, fait qu'à coup de place que je fais à 2-3 trous, ben tu sais, ça va vite, fait que ça te prend quand même une drill qui a du power, qui a de la batterie pour te durer au moins toute la journée. Tu sais, à 60 trous, là, il y a des journées là que je vais prospecter, puis je fais ça facilement de trous, là, tu sais, pour checker... T'sais, je me prends beaucoup ces lacs. Fait que ma Makita était correcte, sauf que je manquais de power un peu. Je manquais de batterie. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'acheter elle. Puis ça, c'est une drill, mais c'est pas vraiment une drill standard. Là, t'sais. Ça, c'est un mixeur. Un mixeur pour mixer le béton. Donc, c'est un outil qui est fait pour forcer, qui est très, très puissant. On parle ici de la DeWalt Brushless 60 volts avec les batteries FlexVolt 9 ampères. Là, je sais qu'ils en font dans DeWalt, ils en font dans Makita, ils en font c'est quoi l'outil rouge? Je l'oublie, là. Mais tu sais, ils en font dans tous les modèles. Moi, j'ai eu DeWalt parce que j'avais déjà les batteries 9 ampères FlexVolt d'un autre outil. Fait que fallait pas que j'achète, mettons, une Makita, puis là, tout changer les batteries. Fait que j'ai acheté une DeWalt. Puis pourquoi elle, je l'aime? C'est parce que, comme j'ai dit, elle est faite pour forcer, c'est faite pour mélanger du béton, puis on le sait que pour le monde de la construction, là, mélanger du béton, c'est assez raide, là. Tu sais, c'est plus raide que percer de la glace. Fait que je me suis dit, ah, ben, gadon, c'est fait fort, c'est fait pour forcer, puis. Tu sais, oui, c'est plus massif que si on prendrait une drill normale. Parce que, tu sais, c'est puissant. Pas en plus, avec les FlexVolt 9 ampères, là, j'ai deux batteries de même. Puis écoute, je n'emmène juste une à la pêche. Puis, écoute, je fais au-dessus de 70 trous avec, là. Regarde, tu vois, aujourd'hui, il y a 16 à 17 pouces de glace. Puis, j'ai fait à peu près... à peu près une quinzaine de trous. Puis... ma batterie est full encore. Ça prend vraiment pas, là. Vu que l'outil force quasiment pas, ben, elle demande pas plus de batterie. Donc, j'ai upgradé pour ça. Si jamais il y en a qui sont intéressés à l'acheter, c'est la DeWalt Brushless 60 volts. Je peux vous donner le code, là. C'est le DCD 130, une demi. Puis, honnêtement, c'est puissant. T'sais, on le voit juste par le son là, de la drill, c'est très très puissant. Là, Puis ce qui est le fun de ça, encore une fois, c'est qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais rendu là, on va à jeter à gaz si tu veux avoir plus puissant. » Oui, mais à gaz aussi, c'est plus pesant. Faut t'emmener un bidon de gaz, un petit, là, évidemment, pas un gros. C'est beaucoup plus pesant. Hey, ça se défait. Tout se défait. Ça prend pas de place. Je mets ça dans le traîneau. Et voilà, je suis parti. Fait que ça vaut énormément là, la peine si jamais vous voulez vraiment upgrader pour de quoi de plus fort. Puis ça va vous toffer bien plus longtemps aussi. Allez-y avec ce DeWalt-là ou le Makita. Là, ou le Milwaukee, je cherchais tantôt l'outil rouge. Le Milwaukee aussi, il en fond. Donc c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez. Mais c'est très puissant. Moi, honnêtement, depuis que j'ai acheté ça, je ne vais jamais retourner dans une drill standard. Là. Je vais garder elle assez longtemps jusqu'à temps qu'elle pète, mais elle pètera pas parce que c'est fait solide. Fait que, évidemment, je vais vous montrer, là, je sais pas si, tu sais, on la met dessus. On a la poignée aussi. La poignée, c'est très important, vu que cet outil-là est très puissant. La poignée, évidemment, elle vient avec. Faut la mettre parce que j'ai essayé de la mettre sans... J'essaie de ne pas la mettre, puis tu fais attention à tes poignets, là. Tu tiens fort, puis... Fait que, on a la poignée ici, on la visse dedans. Là, il y a trois places qu'on peut la mettre. Si vous êtes habitué de tenir les poignées par la droite, vous la mettez à droite, par la gauche,
vous la mettez à gauche ou vous pouvez la mettre ici en avant. Je vais baisser la caméra un peu. Vous pouvez la mettre ici en avant, puis ça fait comme si vous aurez une perceuse à glace, là, à gaz standard. T'sais, on la tient de même. Moi, j'aime pas ça. J'aime mieux l'avoir vraiment sur le côté ici. J'aime vraiment mieux l'avoir ici. Comme ça, j'ai vraiment là, la force parfaite pour la tenir. Donc, trois places qu'on peut mettre la poignée. Ça, c'est le fun. Je sais pas si tous les mixeurs à béton ils ont les trois places à les mettre. Sûrement, mais moi, j'aime ça qu'il y ait trois places. Donc, on met la poignée. On la visse. Ou encore une fois, il y en a que ça se tourne. C'est peut-être pris avec le module ici. Ça se tourne. Puis, là, on la met. On la met. On visse la poignée. Puis là, pour venir serrer le petit... pour venir serrer ta drill à ta mèche, ben là, on a ce petit outil-là. On a ce petit outil-là. Je sais pas si vous la voyez. Ça vient avec. Donc, on fait seulement la rentrée d'un trou. On la tourne pour qu'elle soit bien serrée. Puis vous allez voir, là, avec l'outil, il y a trois trous. Il faut vraiment, là, visser les trois trous pour être sûr qu'elle visse égale partout. OK. Et voilà. Là, ce qui est le fun, encore une fois, c'est que cette petite bébelle-là, ben, elle se met ici. Et voilà. Donc, avec votre perceur, vous avez tout. Et puis là, on visse la poignée. Et dessus. Et puis là... on perce nos trous. Puis comme je vous dis, là, si vous avez une drill normale, vous êtes correct là, si vous ne faites pas plus de trous que ça. C'est juste que si vous upgradez pour ça, ça va vous durer beaucoup plus longtemps. Puis je vous dis, là, avec une batterie, là, 9 ampères, là, écoutez, gars, mes coches sont encore pleines. Là, puis j'ai une couple de trous de fête. Donc, ça vaut la peine d'acheter ça. En tout cas, moi, depuis que j'ai fait le switch, là, honnêtement, je regrette pas pantoute. Puis ça perd super bien. Là, comme je vous dis, il y a 17 pouces de glace, là, environ là, 16-17 pouces. Puis, tu sais, elle y va, là. Fait que c'est en masse fort. Donc, c'était ça pour mon combo que j'ai. Ma mèche avec ma drill. Donc, si vous avez d'autres questions, là, vous pouvez m'écrire. Honnêtement, j'ai aucun rabais sur ça. Je suis commandité par aucun de ces marques-là. Donc, c'est pas pour promouvoir puis faire vendre le produit. C'est juste de vous informer que, oui, il y a des produits, tu sais, côté drill, là, la mèche, je peux pas m'obstiner sur personne. S'il y en a qui aiment mieux d'autres marques, qui aillent vers l'autre marque. Moi, j'ai été habitué avec K-Drill, c'est la seule que j'ai eue. Puis, honnêtement, j'ai rien à dire pour cette mèche-là. Peut-être que je n'essayerai d'autres, ce serait un autre avis, mais pour l'instant, si vous êtes intéressé à la K-Drill, ben, je peux vous informer sur ça, là, puis dire qu'elle va super bien. Côté drill, bien évidemment, je peux vous dire que j'ai eu un autre set de drill, là, comme j'ai dit avec la Makita. Puis le fait d'upgrader vers la DeWalt, ben c'est vers la DeWalt, mais le mixeur à béton, c'est un gros upgrade. Là. Oui, c'est plus cher, mais ça vaut la peine. Puis vous avez des petits jobs à faire à maison de béton, ben, vous avez votre mixeur à béton. Le monde qui a des compagnies de construction, souvent ils ont besoin des mixeurs, ben, au moins vous l'avez, t'sais. Ou si vous l'avez déjà dans votre trailer, ben prenez le temps de l'essayer. Vous allez voir, c'est très puissant. Donc, sur ça, je vous laisse. Moi, je vais continuer à prospecter le lac que j'ai ici.
J'ai pas pêché beaucoup depuis que je suis arrivé, là. Je marche beaucoup, puis je prospecte beaucoup de places. Donc, un beau petit lac. Donc, sur ça, je vais partir avec ma perceuse, puis on va prospecter, puis faire des trous. Donc, pour ça, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, tout au nom de I Simon Fishing. Les liens vont être dans la description là, de la vidéo. Puis si jamais vous avez des questions concernant pêche en kayak, l'outil que j'ai en ce moment, les cannes à pêche que j'utilise pour la pêche à la glace, ces affaires-là, vous pouvez venir m'écrire sur soit Facebook, Instagram, même sur YouTube en commentaire, sur TikTok, comme vous voulez, là. Puis ça va me faire plaisir de vous répondre.